Ok, salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo The Hell Everyma où on va tenter de faire du bon jeu avec Lutin. Alors comme vous avez vu, j'ai fait des tentatives de progression ultra agressives et c'est quand même un poil compliqué avec Lutin parce que quand on est bébé, on n'est pas fait pour tuer quoi que ce soit, je pense. On va essayer de faire le beau jeu, déjà de devenir adulte, ça pourrait être intéressant. Oh, un Carnot. Attaque. Viens là. Par contre, il est 10 fois plus rapide que moi, quoi. Ah, il y a un adulte. Merde. What? Il passe complètement à côté de moi, le con. Allez, je m'arrache. Bon, ça commence pas très bien, cette prog. Et ouais, mais je peux pas m'en empêcher. Je peux pas m'en empêcher, quoi. Pourquoi il se fait pas attaquer, le Stego, là? Ah, il va se faire démolir. Vas-y, cassez-vous. Je l'ai buté. Je prends un petit bout, je m'arrache. What, il y a le gros Carnot. What? Il y a trop de monde. Ça commence un peu fort, hein, cette nouvelle progression. Bon, peut-être que vous comprenez pourquoi j'arrive pas à monter des unités adultes. Mais j'ai vraiment du mal à rester posé, à rien faire. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc du coup, je suis toujours en activité, toujours en mouvement. Et le mouvement, bah, ça pose certains soucis à des moments. Hein. Bon, je vais rester là, parce qu'il faut proc quand même. Donc je vais essayer de me contrôler un peu, je vais rester là. Et je vais surveiller mon crocodile. Une Terminator est de retour. Hein. Eh, je t'ai dit quoi, frère? Dégage! Dégage! Barre-toi, c'est mort! C'est mort, crocodile! Et ouais, Terminator est de retour là, il va pas se laisser faire, hein. C'est mort! What? Puis le moment où je dis ça, quoi! Aïe, 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 aïe. C'est énorme un Carnot en comparaison à moi, quoi! Bon, l'objectif c'est pas de les tuer, hein. C'est impossible! Complètement impossible, hein, évidemment. Hein. Mais pourquoi pas juste un peu les embêter? Totalement invisible. Totalement invisible. Pourquoi j'arrive pas à survivre dans ce jeu? On va aller par là-bas. En espérant que tout se passe bien. Que j'ai une bonne petite source de nourriture. Parce que là, l'intérêt, ça va être de prog en toute sécurité et de pas faire de bêtises pour avoir fait un Utah adulte. Bon, vas-y, on va traverser la rivière. C'est un peu dangereux, mais ça va se faire. Hop là. Voilà, pas de problème. Enfin, il crevait, mais c'est bon. Bon, on sait pas pourquoi je reste pas en vie longtemps, pourquoi je garde pas mes prog. Pour contre, ça m'a arraché la moitié de la vie, quoi. C'est quoi cette histoire? Bon, on va se poser là cette nuit. Tac. On est en mode RP. On va pioncer. Voilà. On pionce et on se réveille le petit matin. Ok. Bon, c'est le matin, vous voyez. Le soleil se lève sur Everyma. Et c'est pas le même matin. Non. Il y a eu beaucoup de juta, hein, entre temps. Donc j'ai fait beaucoup de prog. Et j'essaie vraiment là de jouer safe. Voilà, je me mets sur mon petit rocher. Il y avait deux petits cadavres ici que j'ai trouvé. Je suis resté là. Là, je suis à.
88% de growth. Et vraiment, j'aimerais être adulte. Bah, parce que tout simplement, c'est trop trop dur de prog dans ce jeu. Tout le monde veut tuer. Les herbivores, les carnivores, les volants, les crocodiles, évidemment. Tout le monde veut ta peau, vu qu'il n'y a aucune règle. Bah, évidemment, c'est le boxon, hein. Et là, en fait, on croise les doigts à chaque fois. J'espère vraiment qu'il n'y a personne. Je bois un coup. Allez, s'il vous plaît, les crocos, hein. M'avez pas tué jusque là, alors me tuez pas maintenant. Hein. Ouais, du coup j'ai compris un truc aussi, c'est que tant qu'on n'est pas full adulte, bon là je suis à 90%, et ben on est vraiment très très faible, on a très peu de bite force, et surtout on pèse pas beaucoup. Donc on se fait tuer très facilement. Il y a une attaque spéciale qui est débloquée que quand il est full adulte, où on saute sur l'adversaire et on l'immobilise, et on peut le défoncer au passage. Mais tant qu'on n'a pas ça, ben juste un juvicarnon il nous détruit, donc on va attendre un peu. Hein. Voilà, et moi je suis en sécurité, toi tu te démerdes. Y'a un cardon là. What? Mais vraiment, pourquoi? Pourquoi ça me... Pourquoi ils me mettent ça sous les yeux? Il est où? Il est où? Il est où le con? Il est passé là? Il est là! Pour tous ceux qui m'ont tué, voilà! Pour tous ceux qui m'ont tué. Bon, on est un peu plus fort quand même maintenant. Allez, je le ramène au petit. Je vais prendre soin de lui. Bon, ça va, on est un peu plus fort. Je pensais qu'il allait me faire super mal. Mais en vrai, ça va. Et par contre, le crocodile, on est pas fou. Mais par contre, du coup, voilà, c'est très difficile parce que ben, j'ai pas été adulte. Donc du coup, je ne sais pas gérer la fameuse attaque spéciale. Je ne sais absolument pas la gérer. Donc j'espère juste que quand je vais devoir l'utiliser, je vais pas faire n'importe quoi et mourir. J'ai le pif, ça va me gonfler. Ça y est, enfin full adulte, alléluia, ça fait 3 jours que j'attends ce moment. Parce que je jouais un peu comme un dégénéré. On a fait une prog où on s'est un peu posé, on a réussi. Alors, on fait 500 kg et 22 grammes pour être précis. Et on a effectivement 130 newtons de bite force. On court à 52 km/h, c'est énorme. Après je sais pas les cardons à combien ils courent, mais je pense plus vite. Hein. Et on a enfin 7 attaques. Exactement. C'est exactement ça, et ça... Ça, je pense que ça va faire la diff. J'aimerais bien essayer de l'utiliser. Par contre, Zoltis, comment dire que je pense que je vais t'abandonner, gros. T'as bouffé, t'as tout. Alors, prends ta vie en main. C'est bon. Et moi, je vais essayer d'aller choper quelques trucs. Je vais essayer d'aller à un endroit où je sais qu'il y a full monde. Et on va essayer de faire quelque chose. Hein. On va essayer d'utiliser cet Utahraptor de la meilleure façon possible. Il y a des petits crocodiles. Je sais pas si les crocodiles, on peut leur faire l'attaque. What? Ça a pas l'air de marcher des masses. En vrai, c'est un peu dangereux, crocodile, pour commencer. Bon, hein. Je sais pas s'il faut rester appuyé, je sais pas. Je sais pas du tout comment ça marche, et du coup, tester là. C'est pour ça que ça serait pas mal d'avoir un serveur test, en vrai. Là, on fait une prog, on sait pas comment ça marche, on meurt, quoi. Bon, bref, y'a personne ici, en gros. En gros, y'a personne pour moi. Je vais devoir bouger, hein. J'aimerais bien choper un truc avant, manger un coup, quand même. Parce que là, pour de vrai, les dinos, laisse tomber, hein, j'ai pas envie. Y'a pas une petite carcasse qui traîne? Ah, y'a un raptor qui a essayé de tuer un bébé! Eh non, mais ça, gros, par contre. Mais quoi? Mais quoi, je comprends rien à cette attaque. Mais je vais crever, t'es sérieux? Je comprends que dalle, je me suis fait défoncer. Non, les dinos. Ouais, j'ai plus de stam. Ah oh bah les dinos, on fait le ménage. Hein. J'ai pas trop compris l'attaque, hein. C'est un peu dégénéré. Mais les petits dinos là, mais... En vrai, ça va être ultra dangereux, quoi. Il y en a un gros dans l'eau, ici, là. Bon, je vais essayer. Je vais essayer, au pire, ça part en couille, et bah... What? Il y en a un gros! Ça va, il m'a raté. Ouais, il m'a raté. Oh, c'est chaud. C'est chaud en vrai. Oh mon dieu. Ouais. What? Ouais, il y avait un gros! What the fuck?
Ils font ça les Daenons maintenant, ils le font beaucoup. Avant ils le faisaient pas. Mais ils baitent à mort. Ils font sortir les petits pour qu'on les attaque et qu'il y ait un gros qui te saute dessus quoi. Vas-y c'est trop là. Juste essayer de m'entraîner quoi, merde. Il y a un truc là. C'est lui. Est-ce que je peux m'accrocher à lui? On va tester hein. Je teste. Je fais juste un petit test. Vas-y, tu gâches ma vidéo, petite merde. Je vois rien à ce qui se passe. C'est abusé. Cours. Je suis glitché. Oh vas-y, mais sérieux. En gros tu fais ça, le stego il court dans un arbre et tu meurs. En gros c'est ça l'idée. Parce que tu es glitché, tu peux plus bouger. Le jeu est pas terminé, ça se voit. Mais là le problème c'est que là c'est l'expérience des joueurs qui en pâtit. Parce qu'il y a 1h50 pour monter l'Utah. Et pendant vraiment 1h50 on ne peut rien faire. Parce que le dinosaure est beaucoup trop faible. Alors je pense qu'il faut modifier le temps de proc de l'Utah. Si le chaos, j'ai refait une prog évidemment parce que j'allais pas rester sur ça. On va retenter, retenter j'ai envie de dire. Il y a un autre gars là-bas qui a un cadavre en bouche. Mais c'est n'importe quoi. Ils les ont tous empilés ici. Ils les ont tous mis là, mon dieu. Non mais c'est vraiment le chaos généralisé là. Et vraiment quoi. Bon bah du coup je vais essayer là, je suis à combien de pourcents? Je suis ça y est à 100% de glow, on va essayer d'attraper quelqu'un. Je pense que c'est une des dernières fois que j'essaie, après bah, j'attendrai qu'il y ait un mode test pour pouvoir tester les dinos parce que là vraiment c'est un peu trop compliqué. Hé hey, coucou, bah, la cam avait bugué, bon j'ai entendu des cris là-bas, je me suis séparé du groupe parce que bah ils voulaient rester là-bas. Donc c'est intéressant, bon sauf si c'est Stego. Je vais essayer de jouer en embuscade, essayer de l'attraper quand je peux l'attraper. Et pas me montrer. On va essayer de faire ça, comme un vrai dinosaure, je pense. On va essayer... Oh, il y en a un autre là-bas. Il est un peu petit, celui-là. Ah si, il est un peu plus petit, ouais. Oh, il y a un ténonto avec eux. Ah, ça peut être vachement intéressant, en vrai. Hein. Mais, compliqué, quoi. Faudrait que j'essaie de voir où est-ce qu'il y a des buissons et m'arrêter à côté, quoi. J'entends des petits carnots, je crois aussi. Je sais pas si c'est des petits carnots, c'est vrai. Ah, si, c'est un carnot. Oh, mais c'est pas un petit ça. Genre là, je peux être pas mal pour attaquer en vrai. Hein. Je suis bien de côté. Là, ça peut être vraiment opportuniste. Oh, tu... On peut pas s'entraîner. Voilà, c'est le problème. C'est qu'en fait, je n'ai quasiment jamais utilisé cette attaque. Donc comment faire pour l'utiliser? Je pense qu'il faut rester appuyé sur sa souris. Je l'ai pas fait parce que j'ai juste pas le réflexe parce qu'on peut pas s'entraîner. Donc, on réessayera plus tard. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Et si vraiment vous voulez me voir souffrir et réessayer encore et encore jusqu'à y arriver. Attention, jusqu'à y arriver. Je dis, allez, 400 pouces bleus, j'ai vu que dans la vidéo Deinosuchus, je vous ai demandé 200 pouces bleus. Le lendemain, c'était déjà fait. Donc je me dis 400 pouces bleus, c'est faisable. Donc à vous de jouer si vous voulez la suite. Et moi, tout ce qui me reste à vous dire, c'est... Tchuss tout le monde.